Salut à tous, bienvenue à votre expérience en ligne de Essential. Hey, on est tellement heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et puis pendant que les gens prennent le temps de se connecter à un service, bien, pourquoi pas écrire dans les commentaires d'où est-ce que vous regardez le service d'ailleurs. Et puis en même temps, je vais vous inviter à enlever toutes les distractions qui sont autour de vous parce qu'on veut vraiment que vous puissiez connecter avec Dieu de la meilleure des façons aujourd'hui. Hey, je vous souhaite la bienvenue et à tous, Essential Worship. Saint-Esprit de Dieu, toi qui vis en nous, celui qui n'abandonne jamais, tes promesses infinies, le ciel qui vit en nous, chuchote le son de ton nom. De louange, Yahweh. Rempli de tes merveilles, ici je m'abandonne, tissé dans le mystère de ta m'appelant plus près, tu éveilles mon désir de prendre vie en ton nom. Saint, Saint est le Yeah.
vit en moi, celui qui règne. Et celui qui vit en moi, celui qui règne. Quelle bénédiction de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu comme ça. Maintenant, je vais vous inviter à pouvoir prendre quelque chose, pouvoir prendre des notes, parce que le message que Pasteur Laura vous a préparé, c'est un message next level. À vous, Pasteur Laura. Bonjour, Église Essentielle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis tellement contente et privilégiée de pouvoir, encore une fois, amener un message de la part de Dieu pour vos vies. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qu'on va partager, qui est la suite du message de la semaine passée, va continuer à être une bénédiction pour vos vies. Alors, si tu es prêt, nous allons commencer. Et la semaine passée, on parlait sur l'importance de tourner la page. Et si tu te connectes avec nous aujourd'hui pour la première fois, je t'invite à faire une simple prière juste pour pouvoir être disposé de cœur et inviter le Seigneur à venir parler à ta vie directement. Je crois qu'aujourd'hui, si tu viens avec un cœur disposé, le Seigneur va déposer en toi une semence qui va transformer ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir continuer le message de la semaine passée, mais plus spécifiquement sur le découragement. Et c'est de comprendre qu'il faut tourner la page sur le découragement. Sur chaque épisode de ta vie dans le passé qui a produit un découragement. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir t'amener à examiner les 5 domaines les plus importants de ta vie, parce que c'est bien de pouvoir être injecté de foi à travers ce que la Bible nous dit, à travers les versets, mais il y a un moment donné où que tu dois mettre en application dans ta vie, dans ces 5 domaines les plus importants, ce que la parole a mis dans ton cœur, cette semence, pour qu'elle puisse porter un fruit, il doit y avoir une action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir examiner ces 5 domaines-là, pour que tu puisses réaliser et mettre la lumière sur les domaines où est-ce que tu désires sortir de cette zone de découragement pour pouvoir rentrer dans une vie d'épanouissement qui va vivre, que tu seras une personne qui va vivre dans la victoire des promesses, l'accomplissement des promesses que Dieu a pour ta vie. Alors, sache que c'est tellement important de se défaire de cet esprit de découragement qui vient parfois nous habiter lorsque nous faisons face à certains échecs, à certaines situations, parce que le découragement est très sournois. Le découragement est dangereux parce qu'il vient d'une manière tellement facile et rapide, mais il peut être très néfaste pour nos vies. Parce qu'il amène non seulement, il vient seul, le découragement, mais plus tu le gardes, tu l'alimentes, plus il peut produire de l'anxiété, comme on disait la semaine passée, plus ça produit des sentiments, des pensées négatives, et même jusqu'à des pensées suicidaires. Le découragement peut-être est venu à ta vie à cause d'une action, à cause de quelque chose qui t'est arrivé, un échec, quelque chose que tu n'as pas accompli, quelque chose que tu désirais voir et que tu n'as pas encore pu voir se réaliser. Mais ça peut aussi venir souvent des paroles des autres personnes, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Et aujourd'hui, en 2022, malheureusement, nous portons plus d'importance à ce que les autres disent de nous au lieu de garder notre focus concentré par rapport à ce que Dieu dit de nous. Moi, lorsque cette pensée de « qu'est-ce que les gens vont dire ?» Maintenant qu'on commence le service en ligne, comment est-ce que les gens vont recevoir ça? Et la critique, comment est-ce que je vais être prête à faire face à la critique? Et toutes ces pensées-là, parfois, peuvent avoir tendance à venir me décourager. C'est pour ça que je me dis, pourquoi perdre une seconde de mon temps à penser à ce que ces gens-là pensent de moi ou à quel point ces critiques peuvent être nocives pour ma vie quand ces gens-là ne valent absolument rien pour moi? Aujourd'hui, je préfère m'entourer des gens qui vont m'encourager, qui vont m'aider à me défaire du découragement. Et parfois, juste une simple parole peut affecter notre intérieur et nous amener dans cet enchaînement de pensées négatives qui vont tout simplement nous garder
profondément à terre. Et ça va être difficile de nous relever pour pouvoir marcher dans cette vie de victoire, dans cette vie de promesse que Dieu a pour nous. Et comme, par exemple, dernièrement, j'ai entendu dans les nouvelles cette jeune belle femme de 30 ans qui, malgré les statuts de fame qu'elle avait, Miss USA, à plusieurs reprises, des prix d'une beauté incomparable, qui dégageait non seulement une force physique, mais aussi une force de caractère. Il y a un journal qui l'a interviewé. En fait, ils ont ressorti des écrits qu'elle avait postés il y a quelques mois ou quelques années avant dimanche passé, lorsqu'elle a pris la décision de se suicider, où est-ce qu'elle disait qu'elle était tellement attaquée et hantée par des pensées négatives à cause de ce qu'elle lisait dans ses réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui ne la connaissaient pas, des gens qui ne représentaient rien pour sa vie, la critiquaient, et à cause qu'elle a accepté une pensée, et après une autre, et après une autre, le découragement est venu, la dépression est venue à un point qu'il y a juste quelques semaines, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Voyez comment c'est important de tourner la page sur le découragement avant qu'il accomplisse son objectif final, qui est de te éteindre totalement. Alors, si tu regardes le domaine de ta relation avec Dieu, si tu avais abandonné ta relation avec Dieu, ton temps d'intimité, ta communion, à cause que la pandémie t'a refroidi, moi, aujourd'hui, je te conseille de sortir de ce mode de découragement où est-ce que tu te sens tellement éloigné, même indigne d'être proche de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui, à partir de maintenant, tu n'es dans l'autre, pas dans ton téléphone ou dans ton iPad, l'application, pour pouvoir commencer ces 5 minutes que Georges nous a parlé à plusieurs reprises dans ses messages. 5 minutes pour lire de sa parole. 5 minutes pour connecter avec Dieu, pour pouvoir méditer sur ce que tu as lu. 5 minutes pour prier. 15 minutes qui peuvent changer ta vie au complet. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il y a toujours une opportunité de recommencer. Et le Seigneur est toujours présent, les bras grands ouverts à te recevoir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si je parle du domaine de ta vie personnelle, et tu te dis, dans les années qui ont passé, les mois qui ont passé, je n'ai pas pris soin de moi comme j'aurais voulu en 2021. Rappelle-toi de ce que j'ai dit la semaine passée. Tu as certainement fait des efforts qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu ne sois plus à l'endroit où tu étais avant. Et même si ces pas-là n'ont pas été des pas des géants, tu as quand même avancé et tu dois continuer. Le découragement, tu le combats avec cette détermination de vouloir courir vers l'objectif que tu t'es mis devant toi. Si au niveau de ta famille, tu as fini l'année 2021 avec des disputes ou sous des tensions toxiques pour toi, laisse la poussière tomber. Prends la décision de pardonner et prends tes distances avec ce qui est toxique pour toi et ta vie, ta famille. Et si tu as à changer quelque chose, et souvent lorsque nous devons changer, nous sommes les premiers à l'intérieur de nous à savoir ce qu'on doit changer. Et change! S'il y a quelque chose par rapport à ton caractère, change. Attends jamais que les autres changent à ta place. Si tu dis, j'attends qu'il ou elle change pour que moi, je puisse devenir une meilleure personne, non, ça n'arrivera jamais. Décide de changer sans attendre que les autres changent. Si au niveau du ministère, de ton implication avec l'Église, si en 2021, tu t'es déconnecté de tes implications à l'Église parce que les églises ont été physiquement fermées, aujourd'hui, tu dois t'entourer d'une bonne équipe de travail, tu dois te relever. Aujourd'hui, tu as une opportunité de prendre 2022 comme une année de victoire et de croissance exponentielle dans ton leadership. Laisse pas ces leaders à l'intérieur de toi s'éteindre parce que la pandémie a essayé de nous freiner. Église, aujourd'hui, utilisons ces différents réseaux pour pouvoir toucher la vie des gens. Ce n'est pas parce qu'en 2021, on a été dans un break, dans des vacances, si on peut le dire comme ça, que 2022, ce n'est pas une année où est-ce que cette croissance exponentielle peut se manifester. Rien n'est jamais perdu. Et si tu ne vas à aucune église, mon conseil pour toi, c'est que tu puisses chercher une bonne église dans laquelle tu peux t'impliquer. Rien n'est jamais perdu dans le Seigneur. Peu importe à quel niveau tu es engagé dans une église, cherche à grandir. Si tu as découvert en toi un don, mets ce don au service
de ton église. Mets ce don au service de ta communauté et commence à réactiver cet homme, cette femme, ce leader à l'intérieur de toi qui veut voir des grandes choses s'accomplir dans le Seigneur. Si au niveau des études ou du travail, tu as coulé des cours, si tu as eu des échecs, dis-toi que le mot échec n'est qu'un mot. Vois-le plus comme une opportunité d'apprendre de tes erreurs et de grandir davantage. Si au travail, des portes se sont fermées, alors gloire à Dieu! Parce que s'il y a des portes qui se sont fermées, c'est certainement parce que Dieu a une meilleure porte pour toi. Cesse de t'apitoyer sur ton propre sort. Délaisse-toi du découragement, laisse le découragement en arrière, tourne la page sur le découragement pour pouvoir entrer dans un nouveau chapitre avec le Seigneur. Parfois, on a des grands rêves, parfois, on a des grandes ambitions, mais derrière toi, chaque fois que tu veux marcher vers ces victoires, vers ces rêves, tu es en train de traîner une grande charge qui est ton passé, une grande charge qui sont remplies, c'est tes échecs. Mais Dieu te dit, garde tes yeux fixés sur moi. Ne regarde point ni à droite ni à gauche, parce qu'il sait que c'est de là qui vient le découragement. Parce que lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour dire aux gens, Dieu a mis un grand rêve dans mon cœur, il y a des gens qui vont être jaloux. Il y a des gens qui vont essayer de te casser les deux jambes pour éviter que tu puisses atteindre ton objectif. Et rappelle-toi dans Josué, chapitre 1, Dieu t'avertit, fortifie-toi et prends courage. Il ne te l'a dit pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Et à la troisième fois, au verset 9, il dit, c'est un ordre. Prends courage, fortifie-toi. La course n'est certainement pas facile. Parce que si ces choses seraient faciles, tout le monde réussirait. Mais le Seigneur te dit, prends courage. Parce qu'il sait qu'il va y avoir de l'adversité. Mais ce qui est bon dans l'adversité, c'est pas parce que tu as déjà eu des échecs dans le passé, dans certains domaines de ta vie, que tu es appelé à vivre dans l'échec pour toujours. Le découragement vient certainement à cause de certaines choses qui se passent naturellement. C'est normal d'être découragé parfois. Le problème, c'est lorsque tu décides de vivre dans le découragement. Mais le Seigneur te dit, relève-toi. Réessaye. Un échec, ça ne va que t'apporter de l'expérience. Qu'est de l'expérience? Alors, vois 2022 comme l'année où tu décides de tourner la page sur le découragement. Le découragement ne pourra peut-être rien faire sur ton passé. Ça ne changera pas ce que tu as vécu. Mais ça va sûrement avoir un impact sur ton futur si tu décides de vivre dans le découragement. Sache que le découragement ne vient jamais seul. Une pensée de découragement amène une pensée d'anxiété, une pensée de peur, une pensée de dépression. Et c'est fini. Et ça, c'est l'objectif du diable pour ta vie. Regarde le verset 1. Rappelle-toi dans Josué 1, verset 1, pardon, verset 2, ça dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Est mort. Ça détermine un changement de temps, une transition. La mort et la fermeture d'une époque, c'est un chapitre qui prend fin. Et après, il dit, lève-toi. Lève-toi ici, ça veut dire, ne lâche pas prise. Continue à croire. Par la suite, si tu te rappelles bien, dans les chapitres qu'on suivit, Dieu lui donne des indications. Il le dirige vers sa nouvelle promesse, sa nouvelle bénédiction, lui rappelant en tout moment qu'il sera avec lui. Que de la même manière qu'il était avec Moïse, il sera avec lui. Alors la même chose pour toi. Rappelle-toi que Dieu ne te laisse pas juste devant la piscine, puis il te pitche, puis il te dit « apprends à nager, arrange-toi avec tes affaires ». Il te dit « voici les directives, voici les indications, voici la terre promise, voici la position où je vais te mettre ». Et après, il dit « je serai avec toi, personne ne pourra te faire face, je ne t'abandonnerai jamais ». OK. Si après avoir entendu tous ces versets, tu décides de continuer à vivre dans le découragement, là, c'est quelque chose de différent. Mais cette parole a la puissance de transformer ta vie. Et aujourd'hui, tu dois prendre la décision de tourner la page sur le découragement. Dieu te dit qu'il le fera comme il a fait avec Moïse. Et Dieu nous connaît, il sait comment parfois on peut être craintif, y avoir des doutes. Et je te le rappelle, et il te le rappelle, si je l'ai fait avec d'autres, je le ferai pour toi aussi. Et parfois, Dieu agit de certaines manières, pas pour nous éprouver nécessairement, mais pour exercer notre patience, notre foi. Et je ne sais pas si dans ta vie, ça t'est déjà arrivé de recevoir ou de donner un cadeau qui vient dans un mauvais emballage.
Vous souvenez, par exemple, moi, je me souviens lorsque Roméo, l'année passée, c'était son anniversaire, il nous avait demandé quelque chose de spécifique. Je savais à quel point il tenait de recevoir ce cadeau. Je l'avais mis dans le mauvais emballage avec des feuilles. Je l'avais vraiment enveloppé comme si il aurait vraiment jamais su que ça allait être le cadeau qu'il s'attendait de ma part. Et lorsqu'il déballait la boîte, il y avait une autre petite boîte à l'intérieur. Et à l'intérieur de la petite boîte, il y avait une autre petite boîte. Et je voyais son visage, il était comme, « OK, est-ce qu'elle a compris ce que j'avais besoin? Est-ce qu'elle a compris, ma maman? Elle ne peut pas me faire ça. Ma mère ne peut pas me faire ça. » Je voyais comme si presque il y avait une petite larme qui allait couler. Et là, moi, dans ma tête, j'étais comme, « Continue à ouvrir. Fais-moi confiance. Je suis ta mère. » Mais moi, c'est en même temps, je voulais voir l'attitude qu'il allait avoir face à l'attente de ce cadeau. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu vois où je veux m'en venir? À Noël dernier, il m'a demandé un téléphone, Roméo. Et j'ai essayé de faire la même joke. Et ça n'a pas marché. Parce qu'il avait compris qu'à son anniversaire, quand je lui ai fait cette joke plate, comme il dit, là, il s'est dit, « Maman, je sais que lorsque je déballe, et même si ce n'est pas le meilleur papier cadeau, le meilleur emballage, et que c'est une grosse boîte, pas rapport, une vieille boîte de souliers que j'avais utilisée pour essayer de le distraire un peu, le décourager. » Il me regardait avec un petit clin d'œil comme en disant, « Je sais qu'au fond, là, mon téléphone il est là-dedans. » Et effectivement, quand je le regardais et j'essayais de le filmer, je savais qu'il savait qu'à l'intérieur, à travers tout cet emballage qu'on ne s'attend pas, et là, tu ouvres et tu vois une autre boîte qui n'a pas rapport avec ce que tu t'attends de la part de Dieu. Là, il y a le découragement. Là, il y a de l'impatience. Là, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi Dieu? Et là, il ouvre et à la fin, il voit ce cadeau. Et il se rappelle, maman me l'avait promis. Et si moi, en tant que mère, sur cette terre, je suis capable de répondre à une bénédiction, à un cadeau que mon fils, comment autant Dieu va vouloir pouvoir verser sur ta vie toutes ces bénédictions dont il te promet dans la Bible qu'il a créées pour toi, pour ta famille, pour ta descendance, seulement si tu restes connecté à lui et que tu continues à y croire, malgré les emballages qui peuvent apparaître, malgré que ce n'est pas la couleur que tu vois, ce n'est pas la bonne boîte. Attends une minute, Dieu sait comment il fait les choses. Dans ce temps d'attente, avant de recevoir ça, Dieu veut voir à quel point tu tiens à lui. Et moi, en tant que père, je l'imagine et je ressens cette joie de voir mon enfant qu'à travers ce mauvais emballage-là, il sait et il croit que moi, qu'il a la puissance de verser une bénédiction sur ma vie. Alors, tourne la page sur le découragement. Certaines vivent leur vie en mettant tellement de pression, en pensant que le 31 décembre, c'est la fin de tous leurs buts non réalisés. Et ça les frustre. Et souvent, il y en a qui rentrent en 2022, en janvier de la nouvelle année, frustrés. Et ils ne veulent pas aller à une église où on va prêcher sur les promesses parce que ça les irrite. Encore une fois, les promesses de Dieu. Moi, je viens de passer une année remplie de promesses non accomplies, mais voici en 2022, janvier, et encore des paroles sur des promesses. Écoutez-moi une chose. Ayez des amis qui vont toujours injecter de la foi et vous montrer que Dieu est un Dieu de promesses. Et entourez-vous des gens, non des amis qui vont t'aider à sécher tes larmes, à t'aider à t'apitoyer, à te dire, oh, je te comprends, c'est bon, pleure toutes tes larmes, vas-y, vis ton deuil éternel. Non! Et qu'après, ils te critiquent. Parce que tu vis un deuil et ça te prend longtemps avant de t'en sortir. À la place, cherche des amis qui vont te donner un bon coup de pied dans les fesses à chaque fois que tu vas être découragé, qui vont te tirer des oreilles du lit, te sortir de chez toi, te donner deux bonnes petites claques avec amour et te dire « Hey, c'est pas la fin, let's go, tu peux le refaire, recommence, ta vie n'est pas finie. » Ça, c'est le genre d'amis que je veux avoir et ça, c'est le genre d'amis que je veux être pour mes amis. Si tu t'attends de venir écouter des prédications dramatiques telles que « Ah, le découragement est normal, parfois Dieu tarde, mais continue à attendre, peut-être ça ne s'est pas réalisé parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, mais ne te plains pas, juste attends. » Non!
Ici, on prêche sa vérité. Tout endroit que foulera la plante de ton pied t'appartiendra. Tu es plus que vainqueur en Christ qui te fortifie. Le mal ne pourra pas te vaincre car Dieu lui-même se tient à ta droite. Aie courage, ne t'effraie point car la victoire t'appartient. Moi, je ne peux pas prêcher autre chose que ce genre de message parce que c'est comme ça que j'ai connu Dieu. C'est ce genre de Dieu que j'ai mis qui est actif dans ma vie aujourd'hui. Alors tourne la page sur le découragement. Si Dieu prend son temps à agir, selon moi, c'est parce que toute bonne chose, je crois que, c'est, que s'il y a des choses qui prennent du temps, si il y a des choses qui prennent longtemps à avoir, elles sont souvent plus valorisées. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Plus ça prend du temps, plus on valorise. Quand c'est trop facile, on ne l'apprécie pas assez. Oui ou non? Si 2022 a été difficile, c'est, pardon, 2021 a été difficile, c'est pour te permettre dans cette année de pouvoir apprécier et savourer chaque bénédiction à sa juste valeur. Cette personne que tu attends, tu vas en prendre soin, tu vas l'aimer de toutes tes forces parce que ça t'a impliqué beaucoup de prières, beaucoup de patience. Ça t'a demandé beaucoup, beaucoup de temps d'attente et tu verras que ça valut la peine. Avec quelle attitude tu rentres en 2022? Avec un « Ah, oh, ça sera pareil ou pire qu'en 2021. Rien va se passer. Je vivrai jour au jour. » C'est bon et important d'avoir un plan de match. Parce que sinon, tu ne seras juste victime qu'il y ait des conséquences ou des choses qui vont arriver. Tourne la page, ferme ce chapitre, ferme ce livre. Que ton passé ne te limite pas à croire qui est Dieu, de croire que Dieu est Dieu. Que tes échecs ne t'effraient point, mais change ce mot par le mot apprentissage. La dernière chose à perdre est l'espoir et la foi de réclamer que chaque promesse de Dieu est appelée à s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu es déjà sorti avec quelqu'un de facile? Es-tu déjà sorti avec quelqu'un ou est-ce que ça a juste pris un café et that's it, c'était dans la poche? Quand Georges m'a connu, ça n'a pas été facile du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Et moi, je crois que plus ça prend du temps, simplement Dieu te dit, quand tu vas avoir cette bénédiction-là dans tes mains, tu vas tellement la chérir, en prendre soin et réaliser à quel point tu es béni. Aujourd'hui, souvent, on prend par acquis beaucoup de choses dans nos vies parce qu'ils nous ont été donnés d'une manière trop facile. Tu penses que ces prédications, le genre de messages que nous donnons peuvent devenir répétitifs? Crois et tu verras. Fais confiance à Dieu, il est au contrôle. Mais qu'est-ce que tu veux recevoir comme message? Abandonne? Laisse faire? Tu rêves trop grand? Non! La parole dit que les rêves sont le langage du Saint-Esprit. Alors, qui sommes-nous pour le limiter? Rêve grand? Je ne peux pas prêcher à un petit Dieu quand dans ma vie, il fait des choses extraordinaires. Alors, aujourd'hui, tourne la page sur le découragement. Peut-être ça fait des années que tu attends de tomber enceinte et lorsque tu vas sur Instagram ou Facebook, ce que tu vois, c'est des gender reveal, des gens qui annoncent qu'ils sont enceintes et ça vient causer un sentiment négatif à l'intérieur de toi. Moi, je te dis quelque chose, fais le contraire et réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ton tour va arriver. Le temps vole en un clin d'œil. Tu ne récupéreras jamais le temps qui est derrière toi. Ce sont des souvenirs, certains regrets, des moments de joie, mais à partir de maintenant, aime chaque instant de ta vie en te rappelant qu'il ne reviendra jamais. Lorsque tu commences à voir les choses comme ça, tu commences à apprécier ta famille différemment. Tu commences à apprécier les gens dans ton entourage différemment. Tu commences à apprécier ton travail différemment. Aime ceux qui sont avec toi. Apprends à apprécier les bénédictions que tu as déjà au lieu de te plaindre ou penser à ce que tu n'as pas encore. Moi, quand l'ennemi vient essayer de me freiner ou attaquer mes pensées dans mes rêves par rapport à ma famille, mon entreprise, le travail ou les finances, ou même mon appel en tant que pasteur, jamais je vais rester tranquille en recevant ce coup. Au contraire, la parole de Dieu est claire. Que Dieu est avec moi, il est pour moi, qu'il a un plan merveilleux devant moi, qu'il ne suffit que je puisse y croire pour que ces choses s'accomplissent dans ma vie. Aujourd'hui, décide que tu vas vivre une vie dans la joie,
avec ce que tu as et avec ce que tu n'as pas encore. La joie n'est pas un sentiment. La joie aujourd'hui, c'est une décision, c'est un style de vie. Le diable m'attaque dans mes pensées, mais je ne me laisse pas attaquer. Je me relève, je tourne la page sur le découragement et je garde ma joie. Mais comment tu fais pour garder la joie parmi les circonstances et les situations qui sont dans ton entourage? C'est une décision que je prends. Et en tant que parents, nous devons être encore plus conscients de l'état d'esprit dans lequel nous vivons parce que ça affecte nos enfants. Nos enfants sont des éponges. Et toutes les personnes alentour de toi sont comme ces éponges, que tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ce qui sort de ta bouche, si c'est influencé par du découragement ou des choses négatives, ça va certainement les atteindre. Je me souviens souvent d'une parole que Georges a donnée lors d'une de ses prédications. Il nous expliquait comment est-ce que parfois on pense que Dieu n'a pas de plan pour nous. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de direction pour nous. Mais le problème, c'est pas que le plan n'est pas déjà établi. Le problème, c'est que ta lampe est fermée, que la lumière est fermée. Mais une fois que la lumière de Dieu vient dans ta vie éclairer le chemin, tu te rends compte que Dieu a déjà tout préparé pour toi. Et c'est là que l'aveuglement part et que tu réalises que Dieu est avec toi et qu'il est pour toi. Alors, et pour ça, je veux te rappeler un psaume, le psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Décide aujourd'hui marcher en tout temps sous la lumière de Dieu dans ta vie. » Peut-être c'est la première fois aujourd'hui que tu entends parler de ce genre de message, de l'amour de Dieu, des promesses de Dieu. Et tu réalises que tu as vécu dans un monde où est-ce que c'était juste de l'obscurité, que tu ne voyais pas clair, que tu ne comprenais pas quand on parlait de l'amour de Dieu, que oui, tu as toujours su qu'il y a quelque chose, une force là-haut qui existe. Mais aujourd'hui, je te dis que cette force ne fait pas juste exister là-haut, mais c'est Dieu qui veut devenir le Seigneur de ta vie. Et Jésus veut faire des choses extraordinaires en toi si tu lui permets. Alors, afin que cette lumière qui est lui, Jésus lui-même, puisse t'éclairer face à toutes les décisions que tu dois entreprendre dans ta vie pour que tu puisses vivre une vie épanouie dans la victoire, le succès et la joie. Alors aujourd'hui, si tu es avec nous pour la première fois, j'aimerais t'inviter à faire une prière qui va te reconnecter avec le Seigneur, avec ton Créateur, et que je sais que si tu le fais avec un cœur totalement disposé, rempli de foi, juste crois que Dieu est capable d'agir. Il l'a fait dans ma vie. Il l'a fait dans tellement de personnes que je connais dans mon entourage et je sais qu'il va le faire dans ta vie sans l'ombre d'un doute. Alors, ferme tes yeux et fais juste lui dire, Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui tel que je suis, rempli de défauts, loin d'être parfait, mais avec un cœur qui a soif de toi. Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Et je te défie à que tu puisses me démontrer à quel point, Seigneur, ma vie peut être transformée si je te fais confiance dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière pour la première fois, sois prêt à partir de maintenant à voir ta vie transformée. Et je crois que ce message qui prend fin, parce que c'était la deuxième partie du « Tourne la page », est un message tellement puissant si tu le mets en application pour que ça ne soit pas juste un bon message comme un bon film que tu as vu, non. Mets en application. Réalise les changements que tu dois faire dans les 5 domaines les plus importants de ta vie. Et tu vas voir comment que Dieu va commencer à se glorifier, à se manifester dans ta vie. Alors, Église essentielle, sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ayez une semaine extraordinaire et on se voit la semaine prochaine. Cette semaine, j'avais un verset à vous partager à cœur. Ça se trouve dans Matthieu 6, verset 24. Ça dit que là où est-ce qu'on voudrait servir deux maîtres, c'est impossible. Parce que des fois, on va vouloir aimer un et on va négliger l'autre. Des fois, on va vouloir être fidèle à un et on va oublier l'autre. Et puis, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que des fois, moi, dans ma vie, je vais vouloir tellement faire à ma tête et je sais que des fois, ça peut aussi être la même situation pour vous. Où est-ce qu'on veut faire nos projets, nos plans à notre façon? Et qu'on oublie Dieu dans l'équation.
Mais on est tout le temps en train de dire, moi, je veux que ma vie aille à un autre niveau. Mais pour que notre vie aille à un autre niveau, il faut inclure celui qui est capable de faire l'impossible dans nos vies. Donc, pourquoi pas aujourd'hui prendre nos dîmes et nos offrandes et nous montrer qu'on est prêt à faire un pas de foi, non seulement dans tous les domaines de notre vie, mais surtout dans notre relation avec lui, pour lui montrer qu'on a confiance en lui. Donc, je vous inviterai à prendre vos dîmes et vos offrandes et prier avec moi. Seigneur, on te remercie aujourd'hui pour tout ce que tu fais, pour toutes tes bontés. Et Seigneur, on te remet ces dîmes et ces offrandes pour que non seulement tu puisses bénir cet investissement, mais que tu puisses aussi nous montrer ta gloire et ton amour dans nos vies personnelles. Je sais que tu vas agir avec puissance et que tu es fidèle en tout temps. Au nom de Jésus, amen. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dimanche prochain.